fait, Jonathan? Ça va? Ça va bien, toi? Yes, yes. On s'en va vers le Camboul. Moi, ce que je te dirais, Michel, ce serait de juste terminer ton virage en poussant un peu les pieds vers l'avant pour que ton talon de ski accroche un petit peu. Allez, on bouge, au revoir! Hey, choubidoubidou! Hey, let's go! Hey! SkiMag est une présentation de eWorld. Activez la chaleur. Cette émission a été enregistrée au Club Med et au massif de Charlevoix. Cette semaine, nous poursuivons notre visite au massif avec le moniteur niveau 4, Jonathan Campagna. Tu nous disais que tu fais vraiment beaucoup de journées de ski, mais un nombre là, qui est comme qui se peut pas là, juste pour le massif. Comment ça? Oui, bien, en fait, moi, je fais des saisons de ski en Australie aussi, dans l'hémisphère sud. Donc, quand c'est leur hiver là-bas, nous, c'est l'été. Donc, moi, il n'y a plus de ski ici. Donc, je me dirige dans l'hémisphère sud pour faire les saisons de ski là-bas, dans une école de glisse en Australie. Puis, je fais un autre environ 100 jours de ski là-bas, là, comme moniteur de ski en Australie. Après avoir découvert quelques pistes dans les secteurs Grande Pointe et Camboul, on se retrouve près du chalet du sommet. Ah ouais, là, je le vois mieux, ce que tu me parlais. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Donc, tu vois, là, le Club Med est en bas, l'hôtel est là. Fait que nous, ce qu'on a fait, on est allé à Grande Pointe. Donc, les trois secteurs sont là. Fait que Grande Pointe est là, Maillard à gauche ici. Puis Camboul à droite, c'est ça, exactement. C'est ça, puis on voit qu'il est plus haut, là, puis donc ouais. la condition de neige dont peut changer, puis l'angle aussi, tu sais, c'est pas tout à fait la même orientation aussi au soleil, tout ça, avec le vent aussi, fait que des fois, la neige peut être pas mal meilleure de ce côté-là. Le domaine skiable de la montagne s'étend sur 53 pistes, incluant un terrain de jeu hors-piste incroyable. Alors, t'es homologué niveau 4. Exactement. Exactement. Avec ton épouse qui est niveau 3. Alors, oui. C'est du gros ski chez vous. Là. Oui, oui, on aime beaucoup le ski. Mais puis elle aussi, elle travaille pour justement se perfectionner et atteindre le niveau 4 aussi de l'Alliance des moniteurs de ski du Canada. Où as-tu appris à skier? J'ai appris à skier, moi, au Mont Gleeson, dans le coin de Victoriaville. Victoriaville, oui. Donc, à Tingwick, Warwick. Puis j'ai fait, à l'époque, j'ai fait 7 saisons là-bas. J'ai commencé à 16 ans. Je fais mon niveau 1 là-bas. Puis par la suite, j'ai voyagé un peu. Là. Je suis allé faire des saisons en Nouvelle-Zélande, Chili, Argentine. Et je suis allé aussi dans l'Ouest canadien, à Red Mountain. Regarde-moi ça, ce soleil-là. C'est extraordinaire. Ah oui? Hey, pour nous, là, Miguel et moi, là, deux belles journées de soleil comme ça. Ouais, c'est incroyable. Des conditions merveilleuses. Le ski de printemps au massif, c'est ça. Vous êtes gâtés. Mais on a beaucoup de journées comme ça pendant la saison, par contre. On descend la Gagnon. Elle se prend à partir de la petite rivière. Bleu et d'un dénivelé constant, c'est une piste de prédilection pour les virages coupés. Michel, ici, tu vois le Club Med, on s'est rencontrés au pied des pentes tantôt. Donc ici, on est au-dessus de la crique qui nous ramène à la télécabine, si on veut, ou vers Grande Pointe, le télésiège qu'on a pris tantôt. Puis sinon, ben, un autre moyen de retourner au Club Med, c'est une nouvelle piste qui a été construite ou préparée il y a 3 ans, qui s'appelle Racine. Et ça fait le tour de la montagne, par Camboul, tout ça. C'est une belle piste, là. Vert foncé, je dirais. Ouais, ouais. C'est très large, un peu plus boulevard, là, tu sais, mais c'est vraiment merveilleux pour revenir
vers le Clumet, terminer la journée là, sur une note un petit peu plus haute, là, finir bien, pas trop, quand on est un peu fatigué, on peut passer par là. Puis aussi se ravitailler, parce que j'ai vu qu'il y avait une machine à café, il y a de l'eau, tout est accessible. Exactement, exactement. Et puis la vue aussi est superbe là, pour les gens, là, peut-être nos débutants ou intermédiaires là, qui feraient pas nécessairement les pistes bleues et noires sur la montagne. C'est vraiment une piste superbe là, pour eux, là, pour retourner au Club Med. Et nous, on retourne au télésiège. C'est ça, exactement, par ici, la crique dans les bosses. Parfait. Comment t'aimes ça, le Club Med, l'expérience Club Med avec les clients? Beaucoup de va-et-vient. Là, chaque semaine, on a beaucoup d'invités qui viennent avec nous. On a des gens un peu partout dans le monde. Beaucoup de Brésiliens qui viennent nous visiter aussi. Je pense qu'ils aiment bien la formule Club Med, tout inclus. Ou ils viennent avec leurs enfants, puis il y a le Kids Club. Donc, c'est un bon moyen d'avoir une bonne semaine de ski pour eux, mais aussi pour les enfants là, d'apprendre à skier avec nous là, à l'école de glisse. Le Club Med offre une panoplie d'équipements de l'année. Des skis, des planches, des casques, des raquettes, des patins, tout est inclus dans votre forfait. C'est populaire chez les enfants. Tu me disais qu'il y avait des chiffres, là. Oui, c'est très populaire. Donc, nos grosses semaines, pendant la semaine fin février, donc la journée du président aux États-Unis, on avait environ 840 invités dans l'hôtel et il y avait 240 enfants qui faisaient les cours de ski avec nous. Donc, c'était très, très occupé. J'ai même entendu parler qu'il y avait un bar à bonbons. Les enfants n'aiment pas ça du tout, hein? Exactement. C'est pour ça que des fois, je pense le lendemain matin, ça peut être un peu plus difficile pour nos moniteurs de gérer le niveau de comment je dirais, donc de... Pour dire en français, ils sont beaux. Ouais, exactement, exactement. Je remarquais justement les familles, il y a beaucoup d'enfants ici. Mais pour les parents, là, ils peuvent laisser aller leurs enfants. Là. Le Club Med, parce que de toute façon, il ne faut pas oublier que le Club Med, depuis 1967, c'était le premier vraiment à concevoir ce phénomène de mini-club. Donc, ce qu'on voulait, c'est d'avoir des vacances pour tous. On dit enfants contents, papa et maman contents. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Et quand on a au niveau du mini-club, c'est que bien, les jeunes viennent ici, sont inscrits dans le mini-club et tout simplement, ils ont des cours. Donc, les enfants sont pris en charge à partir de 8h15 le matin. Le midi, c'est le choix des parents. Est-ce qu'ils veulent laisser leur enfant au mini-club, donc ils mangent avec les jeux au mini-club, ou tout simplement, ils mangent en famille. Et l'après-midi, c'est le retour encore une fois du ski jusqu'à 16h30. 16h30, le mini-club ferme. Puis après ça, il y a d'autres activités, comme je te mentionnais aujourd'hui avec le grand goûter là, des enfants des familles. Et après ça, il y a une activité à tous les soirs à 20h pour les enfants aussi. Fait que tout le monde est capable de trouver son compte là-dedans. Depuis le Massif et le Club Med de Charlevoix, Skimag revient après la pause.
Saint-Nicolas-Gagnon, on continue vers l'Anguille. Et hop, à droite dans l'Écoutille. Le nom des pistes est inspiré de personnages marquants de la région, mais plusieurs ont des connotations maritimes. OK, les gars, bien, on est à la mi-station de la chaise Maillard. Ça cœur un peu plus expert. Oui, oui, c'est ça. Exactement. Un peu plus avancé, là. On va avoir du plaisir ici, là. On va pouvoir repousser nos limites un peu. En montant dans la chaise Maillard, la vue est magnifique. On peut aussi vérifier les conditions des pistes et corps, souvent laissées en bosse. La Couillon sous les chaises et la Phénomène. OK, noir, triple noir, noir, double noir, noir. Ah, c'est facile, le massif. Donc là, ici, Michel, tu vas avoir un autre point de vue de la région de Charlevoix, du fleuve, tout ça. Je t'amène dans la Phénomène, dans le secteur Maillard, là. Phénomène. C'est ça le buton qu'il avait fait pour la Charlevoix? Oui, c'est ça exactement, pour les Jeux olympiques là, de 2002, la candidature de Québec en 2002, pour pouvoir avoir une piste plus longue pour la descente en ski. Pour qu'elle soit homologuée là, pour la Par Fédération fils, internationale exactement, du ski. Exactement, exactement, c'est ça. C'est impressionnant quand même. Hein? Oui, oui, c'est assez d'en haut, là, une bonne prise de vue, puis c'est pentu assez rapidement. Ah! Oui, exactement. De prendre la Couillon sous les chaises pour profiter des grosses bosses de sel de ski de printemps. Charlevoix a des belles activités d'été aussi, au Massif, entre autres, mais dans toute la région. Absolument. Écoute, c'est vraiment une région là, unique en son genre. C'est vraiment vert. Il y a des belles montagnes, des belles randonnées à faire, tout ça. Puis au Massif, ici, bien, on offre le vélo de montagne maintenant depuis 2022. Aussi l'oiseau mécanique qui était en sa première saison d'opération cet été qu'on vient de passer. 6 km dans le télésiège à voir un paysage avec de la musique, avec des lumières, c'est spectaculaire. Absolument. Les invités là, étaient vraiment contents. Là. Nous aussi, là, au Massif, on est super contents là, du succès qu'on a eu avec l'oiseau mécanique. Ceux qui ne font pas de vélo, bien entendu, la randonnée pédestre, parce que les vues qu'on a aujourd'hui en ski sont quand même là aussi l'été. Exactement, hein? Oui, absolument. Puis encore, il y a beaucoup plus de possibilités dans la randonnée pédestre l'été que l'hiver. Là. Puis on peut aller dans la région aussi un petit peu plus loin. On est très près du Parc des Grands Jardins, la CEPAC, la ZEC, les Martres aussi, que moi-même je suis allé pendant l'hiver. Donc c'est vraiment des endroits magnifiques là, dans le coin ici, dans Charlevoix. Et toute la région avec le train, le casino. Disponible avec le nouveau train aussi, qu'ils offrent du service entre les chutes Montmorency jusqu'à Baie-Saint-Paul. Là. Puis les gens sont sympathiques. Oui, vraiment, vraiment, absolument. Notre plus belle descente de la journée, la fameuse Charlevoix. Au printemps, quand la neige est transformée, c'est le summum.
Bon, c'est l'heure de se mettre beau pour le souper. Ici, le monde s'habille bien. Les architectes du Club Med ont su mettre en valeur le paysage. Depuis les grandes vitres, les paysages sont à perte de vue. Si vous désirez vous faire plaisir, il est possible d'acheter pour votre souper des bouteilles exclusives. J'ai toujours voulu être sur le podium. Le chalet est parfait pour l'apéro. Il y a toujours une belle ambiance. Petite collation? Encore? Ben, moi, je suis à ton bord. OK. Une petite collation. Je vais prendre une petite collation. Il y a de la guacamole. Ça, c'est bon. Une vraie chance qu'on ait beaucoup skié aujourd'hui. La salle à manger nous attend et c'est la géo Frédéric qui nous accompagne. Au fond, là-bas? Les différentes stations nous mettent l'eau à la bouche. Entrée, tapas, bouchée et plats principaux, tout est juste parfait. Il y a même une fontaine de chocolat en dessert. Vite à la salle de spectacle pour ne rien manquer. Les gentils organisateurs ont tous les talents. Il faut aussi danser les Crazy Signs. Impossible de ne pas se lever. Mais vous restez là. On revient tout de suite. C'est mignon!
Nous sommes super fiers encore cette année de s'associer à la Cordée pour vous informer sur différents équipements associés au sport de glisse. La chronique équipement présentée par La Cordée, votre spécialiste plein air depuis plus de 70 ans. Félix, on rentre en magasin, on voit tous les choix de lunettes que vous pouvez offrir, mais à un moment donné, ça devient quasiment intimidant. Par où on commence? Le premier truc à regarder, c'est vraiment les lentilles. Puis la première chose qui les discerne, c'est les types. On a des lentilles sphériques puis des lentilles cylindriques. Une lentille cylindrique, c'est vraiment une lentille où on va voir les côtés quand on regarde à l'intérieur, versus une lentille sphérique, c'est beaucoup plus bombé. On n'a pas d'angle mort dans ces lunettes-là. On ne voit pas le cadre de la lunette. Donc, comme si j'étais devant un grand écran de télévision, mais je suis tellement proche, je ne vois même pas le cadre là, de ma télévision. Oui, exactement, exactement. Puis la deuxième chose à regarder dans la lentille, encore une fois, c'est la teinte intérieure. Puis il ne faut pas se laisser berner par la teinte extérieure. C'est vraiment la teinte intérieure en premier. Fait que pour des couleurs qui sont plus roses ou jaunes, là, on va augmenter les contrastes. Puis des couleurs qui sont plutôt gris ou vert, mais là, on va réduire les contrastes. Puis on voudrait réduire les contrastes, pourquoi? Bien, par exemple, là, quelqu'un qui aurait sa passe de soir à Saint-Sauveur ou à Bromont, où il y a les lumières qui sont sans contraste, bien, on va vouloir remonter ces contrastes-là pour bien voir la neige, bien voir si jamais on fait une piste où il y a des bosses. On veut voir les bosses, c'est important pour la sécurité. Donc, dans une situation comme ça, j'irais sur une lunette plutôt rose ou jaune à l'intérieur. Et quelqu'un qui va en voyage de ski, par exemple, en Europe, là, avec beaucoup d'éblouissement de la lumière, ouais. Là, à ce moment-là, il prendrait une lunette? Où l'intérieur est plutôt gris ou vert, où ça va vraiment réduire les contrastes puis l'intensité lumineuse. Mais à ça s'ajoute justement le miroir à l'extérieur de la lunette. Donc oui, ça a une question de style, mais ça a aussi un effet sur la quantité de lumière qui va entrer dans la lunette, en fait, puis ça va protéger les yeux davantage dans une situation comme ça. Et la personne pourrait s'acheter une lunette, mais avoir plusieurs lentilles. Exactement. Donc, il y a plusieurs lunettes sur le marché qui vont venir avec deux lentilles dans la boîte. Sur le marché, on voit beaucoup de compagnies qui font des lentilles photochromiques, c'est-à-dire des lentilles qui vont s'adapter à la lumière ambiante. Donc, tout dépendamment de la quantité d'UV qui va entrer dans la lunette, bien, elle va pâlir ou foncir pour vraiment bien s'adapter à l'environnement dans lequel on skie. Alors ça, c'est toute la technologie des lentilles. Maintenant, ça va sur les cadres des lunettes. Puis ça, il faut que ça soit adapté au visage, mais aussi au casque, n'est-ce pas, Clara? Oui, exactement. Le casque, en fait, souvent, il va avoir une forme spécifique au niveau où la lunette est rejointe avec le casque. Ce qui fait qu'on veut vraiment essayer les deux en même temps. Donc, si on a déjà la lunette, il faut l'emmener en essayant le casque et vice-versa pour éviter tout ce qui est espace en haut du front et toute pression aux différents endroits du visage. Souvent, un casque qui va descendre trop bas, contrairement à la lunette, ça va venir tendance à presser sur le nez ou sur les tempes. Donc, c'est vraiment des petits ajustements à vérifier, notamment en randonnée alpine. Souvent, on va avoir chaud en montant, donc c'est important d'avoir un certain système d'aération sur le casque. Comme on voit, on peut vraiment l'ouvrir et le fermer. Donc, à la montée, souvent, on va venir l'ouvrir pour plus d'aération et le refermer en haut pour avoir un peu plus de chaleur. Sinon, en général, pour les skieurs qui aiment ça skier le printemps, il y a les oreilles du casque qui peuvent être détachables ou non. Donc ça aussi, encore un effet de chaleur qui peut être important à avoir. C'est des conditions qu'on aime skier. Bien résumé. La bonne lentille avec la bonne lunette, le bon casque sur une bonne tête. Exact. Une bonne tête de skieur. Merci. Ouais. Merci à vous deux. Merci. Retrouvons-nous au massif de Charlevoix pour faire nos derniers virages de notre séjour dans cette merveilleuse région. Wow! Quelle journée! Si tous nos rêves peuvent devenir réalité comme aujourd'hui, ça serait extraordinaire. Mais je dois avouer que le Massif, le Club Med, ils ont tout pour les combler, nos rêves. Un gros merci, Jonathan. Merci beaucoup à vous deux. Bonne saison et à la prochaine. Bonne semaine, bon ski! Oh les mains, oh les mains, oh les mains! Da, 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 da. Toute notre équipe est très fière de skier sur Ferréol, 100% québécois. Nous désirons remercier les vêtements Orage, ainsi que les gants Auclair, fièrement canadiens depuis 1945. SkiMag vous a été présenté par eWool. Activez la chaleur. Merci au Massif et au Club Med de Charlevoix.